ses hommes. Revisitant ma pensée pour trouver le mot qui fait de ce texte une passion du passé, passant par le présent. Chaque parcelle, mon cerveau est cervelé. Analysé minutieusement, je rencontre aujourd'hui du phrasé relisant ma prose sous le ciel étoilé. Au même instant, une môme de 16 ans perdant le sourire, ce visage transparent pour oublier la mort de ses parents sans rire. Elle a fini par rencontrer l'héroïne qui l'a conduit à vivre avec les narines. Serpent de blanc changeant son navire en encre marine au fond de l'océan, subissant les sévices de la drogue sans vice et les cernes qu'elle nous procure au réveil. Les sentiments d'être sans être, avoir besoin d'être car sans air on se mûre dans un silence de fer, une silhouette terrorisée marquée au fer rouge comme les flammes. Le drame, son âme, elle a livré au diable. C'est triste car aujourd'hui elle donne son corps pour avoir sa camère. Une enfance cachée où les vis perdent des strophes contre une pâquerette glacée. Mais au final dans le miroir c'est le même reflet cassé, désabusé, abusant tout, jouant des coudes avec la mort. Son manque d'amour c'est comblé par la dope comme un gouffre. Vite prend toute la place et nous étouffe. Un coup de poignard dans le thorax et tous les jours sur ses joues il pleut à torrent. Déprimé de ce contexte oppressant et l'estomac plein de Prozac qui font office de calmant. Dans sa chambre de l'HP Paoli, calmette à l'attend. La mort à petit feu alors qu'avant elle allait au devant. Prenez les devants dans cette danse, elle allait jusqu'à même devancer ses propres sens. Mais dans ses veines présence, drogue à outrance. Et qui dit drogue, dit dépendance. Et après le rêve, on se perd en errance, s'imaginant devenir un héron, survolant la mer en période migrante. Yeah. Qui nous laisse penser que la consommation d'héroïne augmente en France. Cette dernière estimation établit environ 350 000 le nombre de personnes qui en France ont expérimenté, c'est-à-dire consommé au moins une fois au cours de leur vie. Pendant que ses armes dînent, partissent à la tête du diable. Elle mord une vie pour quelques grammes. Dans le vice et la serrure, verrouillée du sésame. Les veines sont devenues le TER de cette putain de cap. Pendant que ses armes dînent, partissent à la tête du diable. Elle mord une vie pour quelques grammes. Dans le vice et la serrure, verrouillée du sésame. Les veines sont devenues le TER de cette putain de cap. Je te narre le récit, elle a eu le récit. Une vie rythmée par abstinence et récidive. Sans croire en sa chance, elle speak. Sniff dans sa chambre, esprit une vague sinusoïde. Se rongeant le sinus, cherche un signe ici. Tant de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et chez mise que tes parents manquent. Mais tu te mens et fais du mal à être une toque sans manque. Regarde les méfaits de cette cam. Et rocoque extase sans pour autant trouver l'extase. Et si tu prends coup vol, ce n'est pas une excuse pour une dose. T'as beau cacher les bras sous les mailles de ton petit con. C'est pas là qu'elle a solu. Squatter jusqu'à pas d'heure sous la prépuce. À dire que cette drogue est devenue ta roulette russe. Mais je la sache que ce n'est pas toi qui ruse. J'ai retrouvé le même matin serein dans le bras au coin d'une rue. Ce dernier fixe l'a perdu. Yo, voilà la réalité de cette issue. Pendant que ses armes gînent, factise à la tête du diable. Elle mord une vie pour quelques grammes. Dans le vice et la serrure, verrouillée du sésame. Les peines sont devenues le TER de cette putain de cam. Pendant que ses armes gînent, factise à la tête du diable. Elle mord une vie pour quelques grammes. Dans le vice et la serrure, verrouillée du sésame. Les peines sont devenues le TER de cette putain de cam. Yo. Notre estimation établie à environ 150-180 000 le nombre de toxicomanes, c'est-à-dire usagers, pas forcément que d'héroïne, mais d'héroïne et ou de cocaïne, qui sont en grande